Mesdames, Messieurs, avant la cérémonie officielle, nous allons procéder à la remise de la Légion d'honneur à un ancien combattant de la guerre 39-45. Je cite Marc Harole. Être décoré ce jour est un honneur pour Marc Harole, car il fut l'un parmi les milliers d'évadés de France à avoir répondu à l'appel du 18 juin pour rejoindre les forces françaises libres. Marc Harole a choisi comme parrain M. Henri Casalprime, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre à décitation, qui lui fera l'honneur de présenter le coussin. Pour lui remettre la Légion d'honneur, M. le capitaine de frégate Louis Reich, chevalier de la Légion d'honneur, président de l'association d'anciens combattants, d'anciens marins anciens combattants, représentant le délégué militaire départemental. Pour l'ensemble, garde à vous. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Pour lui lire le parcours décoré, monsieur le capitaine de frégate Louis Reich. Marc Harole est né le 15 décembre 1921 à Bagnols-sur-Mer. Du 13 mars 1942 au 15 octobre 1942, il effectue un petit passage au chantier de jeunesse à Saint-Pé-de-Vigueur du fait de la guerre. Le 28 février 1943, il décide de partir et franchir la frontière vers l'Espagne pour éviter le STO, le service du travail obligatoire. Jusqu'au 15 juillet 1943, il est à Barcelone en résidence surveillée, puis il part vers le Portugal pour embarquer à Setúbal, direction Casablanca, où il arrive le 19 juillet 1943. Là, il s'engage volontairement pour la durée de la guerre au titre de la 2e DB. Il fait partie du 2e RTM, régiment de marche du Tchad. Ensuite, il est affecté au 2e bataillon, 5e compagnie, 1ère section, comme conducteur de Halftrack. Il est nommé caporal le 1er décembre 1943. Après un passage en Angleterre le 4 août 1944, il débarque à Grand-Camp, qui est Utah Beach, en Normandie. Ensuite, c'est le départ vers la zone des combats, direction Sainte-Mère-à-l'Église, en convoi, La Haye-du-Puy, Granville, Avranches, Mortain, Viré, est prise et participe à la prise de la poche de Caen. Vers le 20 août, il se trouve aux alentours de Paris, dans lequel il pénètre le 24 août par le pont de Sèvres. Puis, direction Saint-Denis, Pierrefitte, Contrexéville, Vittel. Il participe à la grande bataille de chars de Dompère, où 90 engins blindés allemands sont détruits. Il n'y a pas trop de casse parmi sa compagnie. La campagne d'Alsace battait son plein. Puis, c'est Badon-Villers, les Vosges, le col d'Avaux, le col de Severne et descente vers Strasbourg et le pont de Kiel qu'il franchit le 23 novembre 1944. Il franchit également la frontière le 23 avril 1945, puis c'est le Danube, Berchtesgaden. Il passe par le camp de Dachau qui vient d'être libéré par les Américains. Le général Leclerc donne un mois de vivre de la 2e DB aux déportés. Marc Harole a été nommé caporal-chef le 1er mai 1945. Il a été démobilisé le 19 octobre 1945 et rayé des contrôles le 20 octobre 1945. Il est titulaire des décorations de la médaille militaire, de la croix de guerre, de la croix du combattant et de la médaille des évadés, médaille des forces françaises libres. Ta 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 ta
République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Légionnaire, regagnez les rangs. Je vais céder la parole à M. Marc Carole et ensuite à M. le maire qui a un petit mot à vous dire. Pas familier. Je suis très honoré, très fier de la distinction qui vient de m'être décernée. Je tiens d'abord à remercier une personne que j'adresse une affectueuse pensée et qui est à l'origine de l'attribution de cette décoration. Monsieur Jean-Michel Solé, maire de la commune, qui a répondu favorablement à cette demande. L'ensemble de personnes qui a suite ont fait que cette décoration soit remise. Mon parrain Henri Casaprim, ami de toujours, monsieur le capitaine de frégate Louis Reich, à qui j'ai eu l'honneur de recevoir cette décoration. Charles Descartes, ordinateur de la belle cérémonie, qu'elle nous vient d'assister. À mon épouse Louisette, à mes enfants, petits-enfants, mon arrière-petite-fille, qu'il me soit permis de saluer Madame Menson, présidente des anciens de la deuxième ADB, du département et comité français, et toutes les autres associations d'anciens combattants. Je viens rendre ici un hommage à tous mes camarades évadés de France, de combat, qui ont servi dans l'unité prestigieuse, que fut la deuxième ADB ou la première armée française. Bon, nous pourrions revenir, je vous remercie tous. Mesdames, Messieurs, les représentants des associations d'anciens combattants, Mesdames, Messieurs, les représentants du monde combattant, Mesdames, Messieurs, les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs, chers amis, comment ne pas bousculer amicalement un protocole que je trouve un peu rigide quand il s'agit de remettre la plus grande des distinctions, la Légion d'honneur, à un Bagnoulin. De plus, de la plus belle des manières, puisque cette médaille vient honorer notre ami Marc pour des faits de courage dans des périodes de guerre. Pur catalan, et surtout Bagnoulin, né au Puy d'Elmas, Benjamin d'une famille de 8 enfants, orphelin de père à l'âge de 12 ans, c'est très jeune qu'il s'est mis au travail à l'usine de Polille. À la promulgation du STO, travail obligatoire, pour les nazis, et suivant l'exemple de son frère Jean, premier évadé de Bagnouls, il décide de partir le 28 février avec son autre frère Léon. Quelle famille! D'abord au consulat américain, puis à l'hôpital français, grâce à ses connaissances, nous voici embarqués sur les bateaux Château de Paris, direction Casablanca. Les deux frères sont séparés et tout va très vite. Son engagement, son incorporation à la 2e ADB du maréchal Leclerc, la libération de Paris, Strasbourg, Borkenschaden, la victoire.
Il ne résiste pas à l'appel, celui-ci plus pacifique, de son pays natal. Il revient pour y fonder une famille et vivre en paix, le devoir accompli. Il ne cessera jamais de témoigner en mémoire de ses compagnons disparus, cultivant le devoir du souvenir, si important pour que l'on n'oublie pas qu'un jour, la folie s'est emparée des hommes, les transformant en monstres, et que des hommes qui n'avaient pas des prédispositions guerrières, eux, sont devenus des héros, refusant la défaite, s'engageant, quittant leur pays, leur famille, avec seulement un billet aller, sans certitude de retour. Marc, c'est un homme paisible, discret, travailleur, qui nous est revenu. Un homme avec qui on prend plaisir à s'attarder dans une discussion tellement intéressante. Mon cher Marc, quelle vie bien remplie. Quelle vie bien remplie. Merci. Tu dois savoir que Bagnols est fier. Fier de toi et fier pour toi. Fier de t'avoir comme citoyen. Fier de ce que tu as fait, de ton courage, de ta détermination, de ton esprit à refuser la défaite. C'est un symbole fort que de te remettre cette médaille le jour anniversaire de l'appel du général de Gaulle. Cette médaille, nous l'avons espérée avec toi et sollicitée. Et si tu le permets, nous pouvons la dédier à ces Bagnolais qui, comme toi, ont choisi le chemin de la liberté, la lutte, l'exil, avec tout ce que cela représente, la peur, le danger, le froid, l'incertitude du retour. Pour tout cela, pour cette jeunesse gâchée par cette guerre tellement meurtrière, pour votre volonté à combattre la barbarie, Marc, tu as toute notre reconnaissance et notre admiration. Marc, tu es et tu resteras un exemple pour nous, toi et tes camarades. Merci à vous tous, merci à toi, merci à vous tous de ce que vous avez fait, parce que si aujourd'hui on vit en liberté, si aujourd'hui on peut parler autour de cette place, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Pour l'ensemble, garde à vous. En l'honneur des évadés de France et de la 2e DB, la musique de la 2e DB chantée par l'Orfeo. Thank you.
allons procéder à la cérémonie officielle. À la journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. L'appel du 18 juin est celui d'un homme seul qui refusait l'inacceptable, l'envahissement, l'humiliation et l'asservissement de son pays, la France. Il incarne l'espérance. Le peuple a trouvé la force de faire bloc autour des valeurs de l'humanisme et du dévouement aux autres, jusqu'au sacrifice suprême. Lecture de l'appel du général de Gaulle par le capitaine de frégate Louis Reich, chevalier de la Légion d'honneur, président des anciens marins anciens combattants. Appel du 18 juin du général de Gaulle. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été, nous sommes, submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'ennemi britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui s'y trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs, les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Aux anciens combattants, par Monsieur Estella Francis de la FNACA. Le 18 juin 1940, depuis Londres, le général de Gaulle appelait les Français à refuser la défaite et à poursuivre la guerre par tous les moyens disponibles partout dans le monde. Refusant l'abaissement de la France, il déclarait: quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. En cette journée nationale, qui marque le 75e anniversaire de l'appel historique du 18 juin 1940 et le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous rendons hommage aux chefs de la France libre et à tous ceux qui l'ont rejoint pour défendre une certaine idée de la France et de la liberté. La nation française, en hommage à ce précurseur, illustre visionnaire que fut le général de Gaulle, précurseur dans les conceptions de stratégie militaire liées à l'emploi des blindés qu'il développa largement entre les deux guerres mondiales, qui lui valurent d'être nommé le 11 mai 1940 à la tête de la 4e division cuirassée de réserve, puis d'être appelé le 6 juin suivant au poste ministériel de la sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale.
illustre lorsqu'il appela les Français à poursuivre la lutte, créant la France libre, puis la France combattante, et unissant ainsi autour de lui tous ceux, en France métropolitaine, comme hors de l'Hexagone, qui voulaient rendre à la France sa liberté. Visionnaire, enfin en permettant à la France, après 5 années d'occupation et de combat, de siéger à la table des vainqueurs, retrouvant ainsi sa place pleine et entière dans le concert des nations. La nation française ne peut commémorer ce 18 juin sans rendre hommage également à toutes celles et tous ceux qui, refusant la facilité et l'avilissement, répondirent à l'appel et prirent les armes contre l'ennemi qu'ils avaient choisi de servir au sein des forces françaises libres ou qu'ils aient préféré s'engager dans la voie de la résistance. Les Français libres, venant de France, d'Afrique et d'ailleurs, légionnaires, tirailleurs, marsouins, marins et aviateurs, constituèrent une admirable cohorte de volontaires ayant en commun la Croix de Lorraine. Les résistants de l'intérieur, de toute conviction, de toute condition, choisissent de mener le combat sur le territoire national au sein des réseaux, des mouvements et des maquis. Toutes ces femmes et tous ces hommes ont honoré la promesse du général de Gaulle, celle du 18 juin 1940, de ne jamais éteindre la flamme de la résistance. C'est à la lueur de cette flamme que nous devons, 75 ans après, continuer d'écrire l'histoire de notre pays, celle d'un pays libre et fraternel, celle d'une nation profondément attachée à ses valeurs républicaines. C'était le message de Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État chargé des anciens combattants. Allocution de M. Jean-Michel Solé, maire de la commune. Elisabeth de Mirbel, qui a tapé l'appel du général de Gaulle, disait « J'ai l'obscur pressentiment de participer à un événement exceptionnel. Je pense aujourd'hui que l'événement était bien exceptionnel, plus qu'exceptionnel. Nous savons qu'il était historique et qu'il venait de taper une des plus belles, pages de notre histoire contemporaine. » Depuis Londres, le général de Gaulle propose le 18 juin, sur les ondes de la BBC, un appel à la résistance, invitant les Français à refuser la défaite et à combattre. Il y a des moments dans l'histoire d'un peuple où son destin semble hésiter. Ce sont de rares moments de détresse ou de grandeur où des hommes deviennent des grands hommes. Le 18 juin fut l'un de ces moments. Et il restera un acte fort de l'histoire de nos sociétés modernes. Jamais on l'oubliera. Qui aurait cru cela à l'autre bout de sa radio? Qui aurait cru que cet appel serait l'acte fondateur de la résistance? Qui pouvait, à ce moment, rejoindre cet officier bien solitaire, en exil, qui, devant le vide effrayant du renoncement, décide, au pire moment de son histoire, d'assumer, lui, la France. Ce sont d'abord une poignée de femmes et d'hommes qui ne se connaissaient pas, des hommes isolés, des soldats rescapés de la débâcle qui se retrouvèrent en Angleterre, des volontaires venus de France sur des bateaux, des marins évadés, des aviateurs qui déjouèrent les pires gardes. Ce sont des unités entières, des bataillons d'infanterie de marine qui se constituèrent au Liban, des escadrons de Saphir qui rejoignirent à cheval l'armée anglaise au Moyen-Orient. Ce sont des régiments de tirailleurs sénégalais du Tchad. Et puis, ce sont des territoires, des comptoirs, de l'Inde à la Polynésie,
à l'Afrique équatoriale française qui se sont ralliés à cet homme, à la France libre. Ce sont aussi toutes ces femmes et ces hommes aux quatre coins de France, des quatre coins du monde, qui ont spontanément choisi de suivre l'inconnu de Londres. Tous soudés par la grâce de liens mystérieux, la liberté, l'espoir autour d'un chef que le destin venait de leur donner. Ils allaient constituer une force à partir du désespoir, de la désillusion. Cette force qui, peu à peu, grandit, entraîne derrière elle toute une nation. Ce fut par cette action, par ces femmes et ces hommes, par ces villes, qu'en France, dans les maquis, s'organisa la résistance à travers l'unité des forces françaises libres. Ce sont les combattants historiques et les sacrifices que firent nos soldats de l'ombre qui conduirent à la victoire. Les soldats de Jean Moulin, du maréchal Leclerc, c'est à travers ce discours qu'un homme a galvanisé tout un peuple. Lui a fait relever la tête après une défaite, une débâcle. Cet appel nous interroge sur le courage, sur la résignation, la force des convictions. Sachant que les combats pour les causes justes doivent être toujours menés et gagnés. Cet appel nous apprend que les hommes sont capables de se transcender, de renverser des montagnes, de relever des défis. Cet appel nous apprend que le courage, que l'honneur n'est pas qu'un mot. Winston Churchill disait « De Gaulle porte avec lui l'honneur de la France ». Nous allons, nous en sommes fiers, nous avons procédé à la remise à la Légion d'honneur à un de ces hommes qui ont choisi le combat au renoncement et honoré à travers lui tous les enfants de Banyuls, des évadés de France. Vive la République, vive Banyuls, vive la France. Nous allons procéder au dépôt de gerbes. Pour l'ensemble, garde à vous. Pour déposer la gerbe, M. Jean-Michel Solé, maire de la commune. M. Marc Carole, évadé de France, chevalier de la Légion d'honneur. M. Albert Matteux, évadé de France, médaillé militaire. Présentez la gerbe. Aux morts.